Salut à tous, c'est Ralga pour Regarde dans le rétro, après cette magnifique intro de Pokémon Jaune. Donc oui, c'est moi qui a récupéré la version la moins appréciée du jeu. Donc je lance tout de suite, hein, parce que blablabla. Donc Pokémon Jaune qui est en fait la version que je connais le plus. Tout simplement parce que c'est la première que j'ai eue. Donc pour ceux qui connaissent pas, Pokémon date de fin 95, début 96, donc on fête les 20 ans. Comment je vais m'appeler? Je vais m'appeler Ralga, hein, ça va être original. Hop, G-A. Voilà. Et le rival, je vais l'appeler Régis. Donc je disais, donc on fête les 20 ans de Pokémon. Et donc petit défi avec l'équipe et sera le premier à atteindre la ligue. Et ce qui en fera foi, c'est le temps in-game, donc le temps indiqué à la sauvegarde. Sachant que avec Pikachu en starter, oui parce que donc la version jaune a Pikachu en starter, je pars avec un gros malus pour le début du jeu. Donc, enfin, la raison est très simple, hein, c'est que le premier champion d'arène, Pierre, a des Pokémon Roche. Et donc avec Pikachu, c'est un peu plus galère. Alors que globalement, avec Bulbizarre, on roule sur lui. Avec Carapuce, on roule sur lui. Avec Salamèche, on roule moins, mais il y a moyen d'avancer jusqu'à... Enfin, de lui faire assez mal. Alors qu'avec Pikachu... Non. Et en fait, donc je vais vous expliquer un peu le début du enfin je vais pas vous raconter l'histoire, hein, mais je vais raconter un peu ce que je vais faire au début du jeu. C'est que le problème qu'on a au tout début du jeu, c'est que globalement tous les Pokémon qu'on croise, qu'on peut croiser jusqu'à Argenta, sont des Pokémon qui ne sont pas forts contre les Pokémon Roche. C'est-à-dire que bah Rukul non, Rattata non, les Chenipan non. Enfin, où faut les monter vachement en level pour que ce soit intéressant. Donc c'est assez dur de choisir, enfin de trouver la bonne strat. Donc là évidemment je reprends une nouvelle sauvegarde sur émulateur. Mais je me rappelle que la sauvegarde sur la première partie sur la cartouche. J'y suis allé au Rukul avec jet de sable et j'y suis allé au Rattata et au Rukul. Mais c'est extrêmement long et extrêmement aléatoire. Donc Régis fait déjà son connard de base. Hein. Donc là il va me donner le Pikachu qu'il a capturé tout à l'heure. Sachant que dans version bleue ou rouge... ouvert, Régis prend le Pokémon, le starter dont le type est supérieur au starter qu'on prend. Donc si on prend Salamèche, il aura Carapuce, si on prend Carapuce, il aura Bulbizarre, et si on prend Bulbizarre, il aura Salamèche. Mais avec Pikachu en starter, quel Pokémon va-t-il avoir? Allez. Donc on va le voir tout de suite. Il envoie un Evoli. Donc en fait là avec Pikachu en starter en éclair, c'est qui tout double en fait. On a plus de chances de gagner, mais c'est dépendant en fait du nombre de coups critiques et du nombre de fois où il fait Mimiqueux. Hop. Voilà, donc Mimiqueux, c'est bien sympa, mais du coup, ça me fait pas de dégâts. Voilà.
Voilà, donc j'ai apprimé mes queues, ça me fait une belle jambe, mais bon, pas le choix. Hop. Voilà. Donc, particularité de Pokémon Jaune, c'est que Pikachu n'aime pas rester dans sa Pokéball. Et donc, si on l'a dans notre équipe de 6, bah, il va nous suivre. Bon, là, il n'est pas content, hein. Forcément, il vient juste d'être capturé, il ne nous connaît pas encore. Mais à terme, il sera très content d'être avec nous. Enfin, j'espère. Donc, oui, donc le Pikachu est soigné. C'est ce que je voulais vérifier. Donc, on va rush jusqu'à Jadiel. Parce que, de toute façon, on n'a pas de Pokéball, on a pas de Pokédex, donc ça sert à rien. Bon, ça va, j'ai pas eu de Pokémon dans les hautes herbes. Hop. Le shop, il est où? Il est là. Donc voilà, faut rapporter le colis de chêne au prochain arbre-palette. Hop. Donc, tant qu'on est à parler de différence entre Pokémon Jaune et les autres versions de la première génération, c'est que cette version colle. C'est celle qui colle à la série animée. C'est-à-dire qu'on a Sacha, hein, enfin notre héros, avec un Pikachu très particulier. Ce Pikachu ne va pas vouloir évoluer, par exemple, il va rester en Pikachu. Qu'est-ce qu'il y a? Les boss de la Team Rocket, enfin, à part Giovanni qui reste Giovanni. Enfin, les mecs de la Team Rocket qu'on va croiser régulièrement seront Jesse James avec leur Meowth. Donc, ça doit être les deux grosses différences par rapport aux versions rouge et bleu. Hop, donc voilà, il va nous donner le Pokédex. Enfin, le pire, c'est que le prof Pokémon, il est même pas fichu d'avoir un début d'encyclopédie, quoi. Il n'y a rien dedans. S'il est même pas fichu de reconnaître genre les Pokémon qui est à côté de lui, quoi, genre Rattata, tout ça, et qui sont même pas dans la bibliothèque, enfin dans le Pokédex. Bon, évidemment, là, on va aller voir la sœur de Régis pour lui piquer une carte. Hop, on y va. Hop, hop. Non, bah c'est bon, je peux commencer à y aller. Juste falloir que je retourne à Jadiel pour choper des Pokéballs. Et là, nous avons un. J'allais dire un Rattata. Non, un Rockool. Niveau 4. Bon, je vais l'éclater parce qu'en plus, Pokémon de type vol, contre-attaque Pokémon électrique, c'est très efficace. Ça fera un peu d'XP pour le Pikachu. Même si, comme je vous disais, le Pikachu, en fait. Enfin, l'XP du Pikachu, au moins pour le début du jeu, j'en ai un peu rien à faire. Parce que c'est pas lui qui va m'intéresser le plus. Hop. Donc, vous verrez quel Pokémon je prendrai pour Pierre avec son Racaillou et son Onix. D'ailleurs, en parlant de Racaillou et Onix, il me semble qu'il y a quelques différences dans les Pokémon des champions d'arène, mais c'est à vérifier. Je suis pas sûr. Hop. Bon, c'était vachement dur. Hop. Hop, donc
Donc là, le Ratata va pas faire long feu non plus. C'est pas fait one shot. Hop. Hop. Donc, première chose à faire, ça va être de soigner Pikachu. Hop. Hop. Donc, l'infirmière Joël avec son Levena. Hop. Donc on va prendre des Pokéballs. Allez, 8 Pokéballs, ce sera bien. Quelques potions, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà. Alors, on va arrêter là. Hop. Et donc là. Bon, attends, je vais déclencher cet event avec le vieux qui nous apprend à attraper des Pokémon. Hop. Donc un Ratata qui apparaît en plein milieu de la ville, évidemment. Hein. Qui n'arrive même pas à attraper. Hop. Donc voilà, j'ai déclenché les vannes, au moins ce sera fait. Et je vais aller essayer de farm le Pokémon qui m'intéresse. Donc là, je cherchais un item. Parce qu'en fait, en général, dans les recoins comme ça, on peut trouver des items. Hop. Et donc je disais, je vais aller farm le Pokémon qui va m'intéresser pour battre Pierre. Je vais essayer de farm un Ferrosinge. Ah non, je peux pas passer en bas. Donc je vais farm dans les herbes ici. Hop. Donc dans ces hautes herbes, il y a des Piafabec et des Ferrosinges. Voilà, donc un Piafadec. En fait, le Piafabec, je m'en fiche un peu. Je préférerais avoir un Houkoul, j'en aurai sûrement un plus tard. Enfin, au moins pour le début du jeu. Hop, je voudrais un Ferrosinge. Donc pourquoi Ferrosinge, vous allez me dire? Est-ce que c'est un Pokémon de type combat? Et les Pokémon de type combat, enfin les attaques de type combat plus précisément, sont très efficaces sur les Pokémon roches. Le problème, c'est que Ferrosinge, en tant que tel, comment a comme première attaque Griffe, qui est une attaque de type normal. Donc en fait, globalement, assez inefficace. Mais vers le level 10, je sais plus quel niveau exactement, je dirais entre 9 et 12, il apprend Balayage. Et Balayage, ça fait très très mal, c'est une attaque de type combat. Et ça va me permettre de quasiment one-shot ou two-shot le Rakaillou et le Onyx. Si tout se passe bien. Mais bon, comme dans Pokémon, ça se passe jamais bien. Donc en fait, il va falloir que je chope un Ferrosinge ici. Que je l'up jusqu'à ce qu'il ait balayage. Et ensuite, que je vous espère que je serai à Argenta à ce moment-là. Bon. Bon, un Nidoran mâle. Femelle, pardon. Hop. Je vais essayer de l'attraper. Les Nidorans, même s'ils sont souvent très décriés, sont très efficaces. En particulier le Nidoran mâle avec son avec le Nidoking à la fin. Hop. Bon voilà, j'ai gagné un Nidoran femelle. Donc je ne donnerai pas de surnom aux Pokémon, hein. Je garderai leur nom habituel. Bon. Ça se passe pas exactement comme j'espérais, parce que il y a des Ferrosinges dans ces hautes herbes.
Je vous l'assure. Mais apparemment, enfin, ils sont assez rares. Et après, leur niveau peut être assez variable, genre entre 2 et 6, un truc comme ça. Si en plus, si un ferro-singe et que c'est un niveau 2, je vais être vachement content. Un Nidoran femelle encore. La force Pikachu va plus être super en forme. Qu'est-ce que j'ai qui s'est déclenché? Un Nidoran mâle. Bon, je vais prendre le essayer de rappeler le Nidoran mâle aussi au passage. Hop. Ça me paraît bien, si je fais un éclair pas critique, il devrait être quasiment mort. Voilà, là c'est bien. Et paralysé en plus. Donc, nickel. Hop, Pokéball. Hop. Voilà, le Nidoran est transféré sur le Pokédex. Non, non, donc je, comme tu disais, je ne rename rien. Ah, un ferro-singe. Allez, level 6. Level 3. Bon, crotte. Bon, ça fera l'affaire. Faudra juste que j'essaye de pas le tuer. Ça, c'est chiant, par contre. J'essaie de descendre sa vie un peu. Voilà. Parce que si j'avais fait un autre éclair avec Pikachu, je l'aurais tué. Voilà, nickel. Hop, là je peux l'attraper. Voilà. Enfin le ferro-singe. Bon, level 3, c'est pas, ça m'arrange pas trop. Vraiment pas trop. Pas du tout même, on va dire. J'en préfère qu'il soit level 5 ou 6. Hop, donc voilà, on a fait notre petite séance de farm. Donc, hop, on va soigner toute notre petite équipe de Pokémon avec très peu de niveau. Parce que là, globalement, j'ai un Pikachu niveau 6, je dois avoir un Nidoran mâle niveau 4. Et après, ça doit pas être génial, ça doit être niveau 3 ou 2. Hop, alors on va... Combien de temps qu'on fait la vidéo? À peu près 18 minutes. Ouais. Donc on va être ferro-singe en premier. Pour que ce soit lui qui chope le plus d'XP. Et on va faire un peu d'XP sur notre cher rival Régis. Hop. Hop. Voilà. Pour la petite anecdote, les premiers combats contre Régis dans la partie, donc le premier chez le prof Chen, celui-là, et le troisième, ça doit être celui du pont Pépites, si je dis pas de bêtises. Suivant le nombre de victoires qu'on a fait sur ces trois combats, peut-être que sur les deux premiers, enfin je sais plus. Ça va influencer sur l'évolution des volis. Donc je vais dire n'importe quoi, mais si on fait une victoire et deux défaites, il y aura un Voltali. S'il y a deux victoires et une défaite, ce sera un Pyroli, etc., etc. Sauf que globalement, je connais pas du tout les combinaisons. Je pourrais regarder sur internet, mais ce serait pas intéressant. Et comment dire, en fait Pyroli et Aquali me dérangent pas trop. Voltali est un peu plus gênant parce qu'il a énormément de vitesse, si il me semble. Il fait assez mal. Donc voilà, hop, du ferro-singe au niveau 4 et de Pikachu au niveau 7. Hop, oui, je vais remettre ferro-singe. Hop.
Et je vais retourner au Pikachu. Donc je disais, l'équipe de Régis finale hein, sera composée donc de l'évolution de son Evoli. Et ensuite, suivant le type d'Evoli, il aura les deux autres types qui lui manquent. Donc s'il a un Pyroli, il aura un Pokémon Eau et un Pokémon Plante. Non, pas Pokémon Plante. Pokémon Électrique. Enfin, du coup, ça va faire varier son équipe. Mais autant que je sache, ça va pas avoir une grosse influence. Donc autant lui éclater sa gueule dès le départ. Enfin, tout le temps. Au moins, ça nous fera de l'XP. Il m'a quand même fait un peu mal, là. Bah, fais niquer si tu veux, tu vas mourir. Voilà. Rien que le combat contre les deux Pokémon de Régis, le Ferro-Singe a gagné 2 niveaux. Il est passé du level 3 au level 5, donc finalement, je m'en sors pas si mal que ça. Hop, donc nous sommes à 21-22 minutes de vidéo. Je vais faire le début de la forêt de Jade. Donc la forêt de Jade, entre Jadiel et Argenta. Donc lieu de prédilection des scouts avec leurs aspicots et leurs chenipans. Et globalement, comme à peu près tous les lieux entre les villes, des lieux assez énervants. Encore, ça va, la forêt de Jade n'est pas trop labyrinthique, mais il y a quelques lieux qui sont vraiment insupportables. Hop. Hop. On va racheter un peu de potions parce que les Pokéballs ils doivent m'en rester. Quoique, dans le doute, on va en prendre une. Ouais, j'ai dû utiliser une potion sur Pikachu contre Régis. Bon, allez, on va y aller comme ça. Et on va sauvegarder quand même à un moment, ce sera bien. Hop. Hop. Donc là nous avons un arbre avec coupe qu'on peut pas utiliser pour un... enfin qu'on peut pas couper pour l'instant, on verra plus tard. Hop. Allez, je vais me balader un peu ici, donc j'ai rien déclenché, c'est pas grave. Hop. Donc un chenipan. Est-ce que je l'attrape? Est-ce que je l'attrape pas? Je vais voir. Bon, ce serait bien d'avoir un sixième Pokémon quand même. Bon, on verra à combien de vie je le descends. Parce que je vous rappelle que le but principal de cette partie, pour l'instant, ça va être d'up Ferro-Singe. Dans l'idée, il faudrait que... Bon, il a tué le chenipan, donc l'attrape pas. Ce serait qu'il ait... balayage en arrivant à Argentin. Hop, je ne connais plus le chemin. Non, fallait que je passe à droite, je crois. Hop. Hop. Allez, je vais l'attraper. Enfin, j'espère. Hop. Hop. Ah, un lit. Non, bah, pas d'item. Un combat d'abord. Bon, voilà, le paradis des chenipans. Donc sur la version jaune, nous avons les chenipans, mais nous n'avons pas les aspicots, Coconfort et Dardarnian.
Donc ça fait partie des Pokémon qu'on ne peut pas avoir dans cette version. Donc ce qui explique entre autres pourquoi on se chope quasiment que des chenipans ici. Oh, une Pokéball. Hop. Donc parmi les Pokémon spécifiques de la version... spécifique dans la version dans le sens où les listes des Pokémon qu'on ne peut pas avoir. Alors je vais essayer d'être exhaustif, mais je vais sûrement en oublier. Donc on ne peut pas avoir Aspico, Coconfort et Dardarnian. On ne peut pas avoir Miaouss et Persian. Abo et Arbok et Smogo et Smogogo. Je pense que c'était pour accepter encore plus le côté... je passe level 6. Le côté important de la team Rocket version Jesse et James. Donc du coup, parce que du coup leurs Pokémon, on ne peut pas les avoir. Ce qui est frustrant, colère, tout ça, et du coup ça fait un bon antagoniste. Je pense que la logique était là. Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir? C'est une très bonne question, je ne sais plus. On ne peut pas avoir Electek, Magmar et Liputu. Donc dont les numéros sont dans les 140 et quelques, hein, juste avant le Mini Draco, Draco, Dracolos et les oiseaux légendaires. Enfin, cette Pokémon là, ces Pokémon sans évolution avec des types bien marqués, on ne peut pas les avoir. Pour les autres, on verra plus tard, je ne sais plus. Hop. Bon, en fait, là, vu où on en est dans la vidéo, je vais retourner à Jadiel. Je vais soigner tout le monde et on fera la forêt de Jade pour la prochaine vidéo. Enfin. C'est pas très très optimisé hein, pour le... Parce que bon, on essaie quand même de faire une course à la base. Mais comme c'est Férosinge qui va quasiment tout prendre dans la tronche, vu que c'est lui que je veux faire évoluer, ça va être un peu galère si je ne sauvegarde pas. Et oui, je vais récupérer le Roucool. Hop. Puis une odeur en femelle level 2. Hein. Hop. Hop, Roucool level 6, ça c'est pas mal. Sûrement le level max qu'on peut croiser ici. Ouais. Hop. Hop, on va remettre tout ça dans l'ordre parce que j'aime bien que la liste des Pokémon soit bien rangée. Hop, on va sauvegarder. Hop. Voilà, donc la super pêche. Hop, donc sauvegarde. Ouais. Temps in-game 28 minutes. Ça aurait pu être mieux, je pense. Mais bon, pas grave. Donc, puis on va arrêter cette première vidéo ici. On se retrouve à la semaine prochaine pour la forêt de Jade et j'espère le combat contre Pierre à Argenta. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Ciao !